Dans cette première vidéo, nous allons configurer Katia. Tout d'abord, cliquez sur Options et nous allons personnaliser l'arbre. En supprimant IN qui correspond à l'instance. Nous allons ensuite configurer Infrastructure Part pour intégrer à l'affichage les contraintes, les paramètres et les relations. Et dans Imagine and Shape, nous allons centrer l'origine. Nous allons ensuite personnaliser Katia en intégrant Assembly Design, Drafting, Imagine and Shape, Part Design, Photo Studio, Sketch Tracer, Sketcher et Surface Matching. Nous retrouvons tous ces raccourcis dans la boîte de démarrage en haut à droite.